Ce vendredi 30 juin, alors qu'elle est en vacances entre amis, Alicia de la saison 6 de Mariée au premier regard n'hésite pas à tacler son ex-mari Bruno et sa nouvelle compagne Jennifer dans une story visée. Alicia et Bruno se sont rencontrés durant Mariée au premier regard sur M6. Lors de l'émission, les deux candidats au départ célibataires se sont mariés sous l'œil des téléspectateurs. Ils étaient devenus l'un des couples emblématiques de la saison 6, mais les principaux concernés ont annoncé leur séparation il y a quelques semaines. Le lundi 26 juin, dans une interview accordée à Télévision Mag, une autre candidate de cette saison, Jennifer, annonçait être en couple avec Bruno. Alors que la jeune femme a posté une photo sur son compte Instagram en bas de son immeuble, elle affirme qu'ils se sont rapprochés. Par la suite, Bruno a lui aussi donné sa version des faits, affirmant qu'il y a cru, qu'il a tout donné et tout essayé pour que ça fonctionne, avec Alicia, note de la rédaction. Face à ces révélations, Alicia a pris la parole sur son compte Instagram pour expliquer que son ex l'avait trompé et réglé ses comptes avec les deux amoureux par stories interposées. Ce vendredi 30 juin, la jolie blonde, désormais célibataire, a décidé de tacler son ex d'une nouvelle manière. Un geste vaut mille mots pour Alicia de Mariée au premier regard. C'est en story sur son compte Instagram qu'Alicia a voulu prendre la parole. Depuis que la relation entre Bruno et Jennifer a été officialisée, la jolie blonde n'hésite pas à s'en prendre à lui ouvertement. Actuellement en vacances entre copines à Porto Vecchio, Alicia n'a pas oublié son ex-mari. Dans une story qu'elle partage avec l'une de ses amies, on peut voir la jeune femme expliquer « On voulait en profiter pour vous annoncer quelque chose avec Laura. Ça ne se dit pas avec les mots. » Les deux jeunes femmes ont décidé de s'embrasser face à la caméra. Cela nous est tombé dessus, nous n'avions rien prévu en plus de la vidéo, Alicia n'a pas manqué d'écrire une petite phrase afin que les principaux intéressés se reconnaissent. Cela nous est tombé dessus, nous n'avions rien prévu. Nous ne savons pas de quoi l'avenir sera fait, peut-on lire. En effet, l'ancienne candidate de Mariée au premier regard fait référence au discours que Jennifer a tenu lors de son interview pour Télévision Mag. Pas de doute, les choses ne risquent pas de s'apaiser de sitôt. Article écrit en collaboration avec 6 médias.